Allô les amis, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, c'est parti pour le dernier vlog. Ah oui, déjà. C'est le nouvel an chinois qui commence. Nous sommes le 10 février. Et vous avez vu, je vous ai montré le programme. Je vous ai montré les dates de festivités du 10 février au 25. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 et ce qu'on va faire, on va commencer ce vlog. C'est parti! Donc, petit tour dans le quartier chinois. On y est. Je vous fais découvrir tout ça. On a fait un bon petit tour. Et voilà, on continue la visite. Et j'espère avoir ensuite les festivités pour vous montrer tout ça. Mais en tout cas, pour le moment, on se balade dans le quartier chinois. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe. Comme on sait déjà. Thank you.
savais pas, je ne savais pas que mon ami Thaï, il avait un salon de massage en Australie. Sugar should be down for a thug, yeah. What around her, she got the buzz, yeah. And five shots in, she love now. I promise I will pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you're about to see her, better drive slow. She know how to make me feel when my eyes close. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. There's a lot of people in a crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Hey, yeah, yeah, yeah. Hello, hello, hello. Donc me revoilà juste pour vous dire, il me semble que vous vous rappelez d'un de mes premiers vlogs, j'étais dans ce quartier et j'ai été manger dans ce restaurant qui est juste derrière. Ouais, celui-là, là. Donc je me demandais si vous aviez reconnu le coin, tout simplement. N'hésitez pas à me le dire, hein. Je crois que c'était dans le vlog 3 ou 4. On était venu ici et je vous avais montré ce quartier, en tout cas cet endroit-là. Pas les gates où on rentre par une porte et on ressort de l'autre du quartier chinois, mais ici on était venu ici dans l'un de mes premiers vlogs. On continue. Alors, je voulais faire un petit message, un petit coucou à mon ami Thaï. Bon, c'était facile, hein, le salon de massage, Thaï, ok, j'avoue, j'assume, c'est une vieille blague, mais c'est pas grave, j'en assume la totale responsabilité et je te dis à bientôt mon pote. Bon, ce sera un vlog peut-être en deux parties, juste pour vous dire. Non.
Donc là, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Un petit coucou là juste derrière. Il y a eu un petit coucou tout à l'heure. Juste pour vous dire, et ben là, je vais en profiter pour faire 2 ou 3 dédicaces. Donc la première dédicace vlog à Cachou. À Cachou. On va me dire waouh, c'est vrai, c'est un. Qui s'appelle Cachou hein. Donc, dédicace à Cachou. Si tu vois ce vlog, si tu passes sur ce vlog, il est dédicacé pour toi. Donc, je vous explique, Cachou, c'est une de mes connaissances qui aime bien la Corée du Sud. Et dernièrement, on était en train de parler de la Corée du Sud parce que j'y étais et elle a l'intention d'y aller. Donc, je lui dis ah ouais, vas-y, je te motive si t'es pas encore parti, et si t'es parti, faudra que tu me racontes. Donc Cachou, dédicace ce vlog pour toi, alias Erika. Voilà, ouais, j'ai oublié de dire Cachou pourquoi je te dédicace ce vlog là tout de suite là. Ce que j'ai fait, parce que je vous avais dit dans le premier vlog, le fameux bibimpam, j'avais été manger un bibimpam et j'avais été déçu le deuxième. Là, aujourd'hui, on va aller manger un bibimpam, mais vraiment, le premier endroit où j'avais été, il est pas mal, il est peut-être moins bien que ce que j'avais mangé en Corée du Sud, mais il est quand même bon. Et là, aujourd'hui, on va manger ce fameux bibimpam et dédicace à toi ce fameux bibimbap que je vais vous présenter.